Salut tout le monde, c'est les rongeurs. Yo, hey, yo. Salut. Et on se retrouve aujourd'hui sur Payday 2, hein, donc Payday 2, un jeu de braquage, une simulation. Je sais pas si c'est une simulation, c'est plus un jeu arcade, mais de la coopération. Ouais, pas vraiment, hein. C'est vraiment. On va pas commencer le débat, ok. Donc là, on se retrouve. Vous battez pas. Hein. On se retrouve à braquer une galerie d'art et on va utiliser une technique assez spéciale qui va nous permettre de faire cette mission en stealth, hein, donc en discrétion. Total. Alors, et gros, c'est quoi cette technique? Eh bien, en gros, on va placer nos beepers CME, c'est-à-dire un outil brouilleur. Un brouilleur CME, merci, qui va couper toute communication et brouiller les caméras aussi. Et là, il y a le castor qui s'arrête. Par contre, ici, c'est la merde, hein, parce qu'il y a les rayons laser là. Ah, d'accord. Bah, quelqu'un va de l'autre côté. Quel autre côté? Bah, viens Mulo avec moi. Chacun deux de chaque côté. Donc en gros oui, on va poser notre CME et prendre les 4 tableaux nécessaires en vitesse et partir tout ça en moins de 3 minutes, on va essayer. Hein. Alors, hop. On peut toujours rêver. Hein. Mais... Bon, on attend le top. On va passer par ici, donc je vais tirer dans la vitre, on va monter. T'es prêt? Est-ce que vous êtes prêt aussi de votre côté? Ouais. Attendez, quand il y a le brouilleur... Ouais, je place le brouilleur. Go, parti. Bonjour. J'ai rangé un tableau. N'oubliez pas, ne tirez pas sur les gardes. Hein. Y a pas de tableau ici chez moi. Pas de tableau ici, pas de tableau ici, pas de tableau ici. J'en ai un. Y en a un là. Dès que vous avez un tableau, vous allez le conduire. Hein. Bonjour. 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 Je replace un brouilleur. C'est me... Ouais. C'est bon, c'est fait. Un autre brouilleur. Bonjour à tous. Moi j'ai pas de tableau moi ici. C'est pas grave, vite. Hop. C'est une mission qui se déroule en 3 jours exactement. Ah, c'est bon, j'ai trouvé le dernier tableau. Ok. Bon, encore un brouilleur ou pas? Attends, attendez. Au pire, c'est moi qui en mettrai un après. Voilà. Castor. Attends qu'il clignote. Remettez. Maison 1. Parfait. Voilà, et tout ça en totale discrétion, enfin moyennement, oui. Puisque tout le monde nous a repéré, mais ils ont pas vu qu'on a posé nos brouilleurs CME, ils peuvent pas appeler des renforts et donc voilà, vous pouvez déposer. Voilà. Félicitations les mecs, on se retrouve pour le deuxième jour. Et re tout le monde, on se retrouve pour le jour 2. Donc vous êtes prêts les mecs? On se met en stealth, hein, donc en discrétion. Ah, moi je découvre, hein, donc. D'accord, ouais. Ben je me mets prêt. Wamba, on t'attend. Donc là, on a réussi à prendre les. À voler les tableaux sans se faire repérer, donc on va avoir un petit bonus pour ce jour 2. Donc Wamba. 1 ou 2, je sais pas. Merci. Donc là, on est censé échanger les tableaux contre des sacs d'argent qui vont nous être envoyés par hélicoptère. Vous verrez ça. Donc chacun prend un tableau et vous rentrez dans le train. Un train, ça. Je dois répondre au téléphone. Voilà, attendez que tout le monde rentre. Et vous pouvez déjà mettre les tableaux sur la table. Et là on attend, on a juste à patienter. Donc vu qu'on a fait le jour 1 en stealth, ce jour là, c'est à dire le deuxième, on peut le faire aussi en stealth si on fait pas les cons. Mais si on avait été en bourrin, si on avait été repéré, après avoir échangé les tableaux, les forces de l'ordre nous auraient lancé un raid. Donc venant de là et du hangar. Police. Voilà, exactement. Donc là on attend que l'hélicoptère se ramène. Donc là le principe c'est, on va recevoir les sacs de fric, d'argent plutôt, et je vais devoir courir jusque là-bas, la direction que je montre, pour mettre à terre certains travailleurs, certains ouvriers. Vous verrez ça plus tard. Alors... Donc là, un peu de patience... Vous avez l'air tellement stupide avec vos masques. Non mais une licorne, un porc et un... Et un black, c'est un... ça. ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Moi, j'ai ça aurait pu être confusion si t'avais mis tes lunettes, mais... Ah, ça c'est clair. L'hélico. Il ne dit pas la suite. Je connais pas la suite de toute façon. Oh. Donc on peut le voir arriver normalement. Ah ben, bon, il est déjà là. Chacun prend un tableau et on le jette sur le toit. What? Bravo, bravo les mecs. Mais hop, voilà un sac de d'argent. Chacun prend un. Bon, il y a quelqu'un qui a loupé son tableau, donc je vais le mettre. Vas-y. Quoi? Je le dépose où ça, le tableau?
Un sac de fric. Donc là, en fait, le principe, c'est que les tableaux qu'on... Qu'est-ce que je dois faire, en fait? Je dois lancer? Oui, appuie sur G. Le mec pas doué, quoi. Doué. Mais non, pas ça, pas ça. Bon, je vais le prendre. Vas-y, vas-y. Le sac d'argent, on le garde, hein, le mec. Merde. Putain, mais les mecs, hein. Oh mon dieu, là, voilà. On est ridicule, quoi. Donc là, on est en train de revendre à un sénateur, je pense, 4 tableaux. Mais la spécialité, la spécificité, c'est que... Attendez, je vais arrêter les civils. On a ajouté à ces tableaux certaines caméras. Il y a quelqu'un qui a pas pris son sac. Non, mais c'est normal, c'est normal. Ah, merde, c'est moi. Il faut que je contrôle les civils ici. Dans le cerveau. Allez, à terre. Et après, il va passer par ici. Rat, t'as laissé ton sac d'argent, c'est normal. Ouais, hein. Je contrôle les civils un peu plus loin. Pour pas qu'on se fasse repérer. Et vous savez que ici, si on avait une scie, on aurait pu passer, tranquille. Bon, bah, on s'en fout, hein. Enfin, pas utile. Donc voilà, les tableaux qu'on a refilés au sénateur sont... On leur a ajouté une caméra. Et vous verrez au jour 3 pourquoi. Alors, là, je vous assure, si on l'avait fait la première mission au bourrin, ça aurait été... C'est beaucoup plus long au bourrin. Ouais, beaucoup plus compliqué aussi, quoi. Surtout en overkill, qui est le mode difficulté... Give me money. Et c'est parti. Presque le plus haut. Presque le plus haut, ouais. Après, il y a des tirs de mort, mais... Voilà, le jour 2 est fini, on se retrouve pour le jour 3. Bon, tout le monde, on se retrouve pour le jour 3. Let's go. Oh, yeah. Logo, mi logo. Oui. Le mec pas trop pressé. Ouais, c'est bon, hein. Bon, bah, encore une fois, le 3587ème try. Ça doit être ça. À peine exagéré. On va utiliser les caméras qui étaient situées dans les tableaux, hein, qu'on a volé au premier épisode. Sauf que ces caméras, vu l'angle que je viens de choper, elles sont un peu useless. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi ce que... Oula. Bon, ce gars-là, il va me gêner, donc je vais le buter, lui. On passe pas par ici, c'est trop long. Attends, parce que ce gars-là, il va être trop short. Alors là, il y a un gars. Attention, il y a un gars. Il y a un gars. Mais putain, on s'est rentré nulle part. Ici, par où je suis passé, vous pouvez. Ouf. Non. J'ai tué quelqu'un, hein, donc au moins vous êtes au courant. On a deux corps. Tu réponds, Greta, Caster? Ouais. J'ai chopé un colis. Je suis dans le tout grand salon là, en train de voir si... Alors, dans le grand salon, y a rien. Enfin, à droite, y a rien. À gauche, j'ai pas vu. Je vois pas non plus. À gauche, non, y a rien. Y a rien dans le grand salon. Ah! Oula, ouf! Mais qu'est-ce qu'il fout ce gars-là? Il ouvre la porte. Oh, mais il a rien à faire là! Je sais. Check la cuisine, Ra. Attends. Ah, c'est bon, il est parti. Ouais, j'ai pris la cuisine, j'ai pris un portable dedans. J'ai pris deux disques durs ici. Enfin, un disque dur ou quelque chose, je sais plus trop quoi. C'est allé dans la chambre. Ouf! T'as dit, ça veut dire. Les Steam. Bon, je pense que tout ce qui reste est à l'étage supérieur. Hein. Et dans le salon? Le grand salon, ouais. J'étais. Parfait. Ouais, il y a une caméra en fait. Bordel, je peux rien faire en fait. Bah alors, il y a deux mecs. J'ai l'ordi. T'as l'ordi? Bon, il manque un objet. Où est-ce qu'il peut bien être? Putain, il y a 3 gardes à l'étage. La cuisine, elle est... vous avez vérifié ou pas? Ouais. Enfin, moi, t'es pas dans le salon qui est là, Ra? Non, le grand salon, il y a rien. Non, j'ai gardé le salon. Non, le salon ici, non. J'ai pas. La cuisine. Ah, ouais, vous avez dit que vous avez déjà pris. La chambre. Ah non, c'est La chambre. Oh, j'ai été voir la chambre. Va. Vous avez été dans la chambre ou pas? On recule. Waouh. J'ai rien trouvé sur les petites tablettes. Faut fouiller ici maintenant. Va voir là-bas. Fais gaffe au bas. Ouais, ça je sais. Mais je pense savoir il est où le. Ah bordel, mais il faut le crocheter.
Non, crochet pas. Ouais, mais je suis en dessous. Bah, vas-y, regarde sur la table. Attends, non, parce qu'en fait, je suis sûr que le dernier, il est là. Je mets un CME et je crochette, d'accord. Ça va. Mais j'y suis, hein, je l'ai trouvé, il est là. Tu l'as trouvé ? Ouais, t'as trouvé le dernier ? Ouais, je l'ai. Good. Vas-y, va l'installer. J'y vais aussi, comme ça. Est-ce que quelqu'un vient-il ouvrir ? Ça. Ah, j'arrive. Voilà. Oh, oh, oh. Non, pas par là, Marc. Casse-toi. Si vous voulez crocheter ce truc, vous mettez un CM. On en a beaucoup, utilisez-les, hein, n'hésitez pas. Ouais, on a... Donc là, en gros, on va recevoir des sacs de coke, on va devoir aller au coffre-fort et mettre la coke pour faire... Vous devez accéder à l'ordinateur. Ah non, je le vois. Faut aller voir si c'est... Faut trouver la chambre. Bah, la salle des serveurs, c'était de votre côté, soit à côté de la chambre, soit là où il y avait la caméra, là. Eh bien, moi, je vais voir dans la chambre. Je déplace l'étagère. Allez, please. Dis-moi que c'est ici. Fuck, c'est pas ici. Évidemment, c'est pas ici. Ah, j'ai accès à la chambre forte. Alors, c'est enfin... près de qui? Est-ce que c'est près de quelqu'un? Le coffre caché. Attends. Je vois personne. Ah, non. C'est au même étage que bleu et jaune. Ok, donc c'est un étage au-dessus. Et c'est où? Je sais pas. Loin des bleus et jaunes et... Quand même assez loin, mais il y a bleu qui se rapproche. Bleu qui se rapproche, d'accord. On s'approche. Vous rapprochez. C'est là. Vous approchez. Voilà. Vous êtes. Continue. Vous êtes juste devant. Voilà. Rentrez dedans. On fait quoi maintenant? Attention, il y a les lasers. Non, rentrez pas. Il faut mettre des sacs de coke. Il faut mettre des sacs de coke maintenant dedans. Et comment on ferme l'étagère? Faut la fermer l'étagère là, normalement. Ouais, viens, rentre. Non, je rentre pas. Il nous faut. Oui, ça a coupé. Ouais, Thibaut, on t'entend plus. Thibaut, on t'entend plus. Pardon. Bah, pourquoi? Depuis longtemps, vous m'entendez plus? Depuis que t'as fermé la porte. Pas bien grave. D'accord. Depuis que t'as enfermé Barcuda. Non, mais reste là. S'il voit l'étagère bouger, on est mort. Là, on va devoir déplacer tous les sacs de coke vers l'étagère, en fait. Oui. Pour faire. Pour que les flics voient que le sénateur est de la coke et qu'ils l'arrêtent. On y va un par un et tout doucement. Il reste combien de gardes en tout? Attends, il y en a un qui monte à l'étage. Faites attention. Est-ce qu'on peut en tuer encore ou pas? Moi j'en ai tué. On peut en tuer encore deux. Là, il y a deux corps. C'est tout? Oui. On a encore droit à deux. Mais faites attention quand même. Allez, les mecs, on est proche du butin là. Au pire, on s'en fiche de l'or qu'il y a dedans. Je sais pas non, si... l'or qu'il y a dedans, il est... Il y en a énormément. Je sais même pas s'il y a moyen de le prendre, quoi. Le truc, c'est qu'il va falloir faire gaffe au laser. Donc si vous voyez que le truc s'ouvre, tu fonces pas, quoi. Tu attends. Quel truc? Mais comme je vous ai dit, à l'entrée même, il y a des lasers, donc... Ouais, c'est ça, les lasers. Essayez de pas vous faire choper. Alors... Mulot, est-ce que... Bah Mulot, quand il bouge pas, il y a personne qui... Enfin, il voit les gens qui sont autour. Voilà. Donc vous êtes juste en face, tant mieux. Merde. Vite. Sors. Voilà. C'était pas mieux qu'il reste dedans, comme ça il marque les gens autour. De toute façon, ça change rien de marquer. Allez, go. On ira plus vite. Hein. Doucement, on court pas. Non, on court pas. Petite licorne. Encore deux allers-retours et c'est bon. Il y avait un mec qui était monté sur le toit, mais il y est plus maintenant, il redescend. Attendez, je vais vous balancer les sacs. Non, un par un, chacun prend un par un. Ouais, mais je veux dire, comme ça va plus vite, hop, Mulot. Non, c'est bon. Touchez plus au sac. Doucement. On est tout proche du but là. Non, ouais. La partie la plus compliquée a été faite. Il reste plus énormément de gardes. Et encore, on a deux beepers au cas où. Attention, il y a un garde là. Ouais, attention. On va devoir attendre. Attends, il y a un garde là aussi, viens. Castor.
Il y a un garde juste devant l'étagère. C'est Kefren. Par contre, moi je vois plus rien, donc. Mais sinon, aide-nous à ramener les sacs. Ouais, au pire. Mais justement, moi je reste là parce que je sais pas si vous savez vous rediriger vers le coffre. Bah oui, mais le coffre on sait où il est, hein. Il est à un étage. Je pense qu'ils sont partis, les gars, je vais voir. Oh, essaye parce qu'il y en a un que je suis en train de visualiser, mais je sais pas s'il est de votre côté. Ok, venez vite. Ouais. C'est bon, vous y êtes ? Hop, vite. T'as quoi, ça doit quand même faire beaucoup de bruit, hein, de bouger une armoire comme ça. Ouais. Attends. Attention, courez pas comme ça. Attends, donc il en faut. Bah, ouais. Prenez les trois derniers en fait. Il en reste que trois. Ah, ouais. Bah oui. Parfait. Prenez les trois derniers. Donc, quand la porte du coffre sera ouverte, surtout ne rentrez pas dans le coffre. Ne rentrez pas directement. Parce qu'il vous faudra craquer un ordinateur pour pouvoir désactiver les lasers pendant quelques secondes. Et après, genre 20 secondes, les lasers se réactivent. Il faudra recraquer pour les re-enlever et ainsi de suite. Il y a énormément de... Allez. Et c'est à partir de quand que genre on peut avoir une échappatoire? Dès qu'on aura ouvert. Bah, à partir. Quand on aura lié tous les sacs de coke. Tous les coke, ouais. Ok. Allez, c'est maintenant. On s'enferme dedans. Ouais. Entrez. Un joli. T'as vu, il y a moyen. Wamba. Maintenant, c'est sur toi que tout va jouer. Ouais. Alors, on attend et vous n'entrez surtout pas. Donc, je t'ai dit pour le moment. Wamba, tu dois aller craquer le PC maintenant. Ah. Le PC. Ah bordel. C'est le PC où il y avait les. Non, toi tu dois aller craquer le PC pour enlever les lasers à chaque fois et tu dois rester là. Mais il est où le laser le PC c'est le... Tu vois la première baie vitrée à l'étage quand on descend, ouais. Là où il y a les caméras. Ah ouais. Et bah c'est là-bas. Mais vas-y tout doucement, cours pas comme ça. Et les caméras elles sont à nous ou pas? Non. Parce qu'il y a la caméra qui est juste là. Elle est pas à nous. Bah comment je fais pour y aller? Je te mets un CME. Tu... Vas-y. Fais gaffe aux gardes quand même. Ouais. Attends, je sais pas combien de temps elle va tenir. Mais... Ça va tenir, ça va. Non, t'inquiète. S'il y a aucun garde en bas, ce serait assez long. Ah. Attends, il y a de la lumière. Ouf, il y a un mec. Fais gaffe, gaffe à la caméra. Attends. Fais gaffe à la caméra. Ouais, je sais. Non. Attends, non, c'est parce qu'il y a un mec à l'étage. Et il est chiant. Ah, il est chiant. Ouais. Et pour le moment, la caméra, elle m'a pas en visuel, donc. Et donc, en fait, tout ce qui se passe là, c'est qu'on va faire tomber le sénateur avec. Attention. La coke que les flics vont retrouver dans sa baraque, quoi. C'est un peu la mission. Mais ça me fait chier parce qu'il est là. Et au pire, tu le butes parce qu'on a deux corps. Ouais. Mais je sais pas s'il y en a un autre. Dans l'étage. On s'en fout, c'est bon, je peux le tuer. Attends, je mets mon CME, tu le butes. D'accord, ok. Prêt? Dis-moi quand t'es prêt. Moi je suis prêt. C'est bon? Ça a été fait? Vas-y. Go. Vas-y, va répondre au beeper. Non, il pourra pas. Ouais, je sais. Ah si. Non, tu peux pas. Merde, non. J'avais pas pensé à ça. Ah ouais. Donc ça sert à rien. Est-ce que la caméra peut le voir ou pas? Non, la caméra elle est pas là. Okay, bah, non, la veut pas. On peut pas péter le chaîne. Bah attends, mais ça sert à rien de répondre au beeper ou quoi? Si. Reste près de lui, il faut que tu répondes à la fin du CM. Au pire, si tu c'est ça qui me fait peur. Et hein. Surtout, tu lâches pas F, hein, parce que sinon ça. Non, ça c'est. C'est bon, je réponds. Et tu prends le cadavre aussi, et tu le mets dans la salle à côté. Tu planques bien le cadavre. Ah, j'ai plus de sac mortuaire. Bordel. Il est bien planqué. Non, il est pas. Ça va, il est pas devant la porte. Donc il est pas visible. Craque le truc. Ouais. Vous attendez, vous entrez pas directement. Ouais. Voilà, on peut s'échapper au cas où.
Donc si vous voyez là, il y a des lasers, il y a plein de sacs d'or. Bon, les gars, je remonte. Non, non, mais retourne, retourne. Non, 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 retourne au PC. Tu dois craquer les. Encore. Pourquoi les lasers? Oui, oui. Attention, parce qu'il y a un gars, je crois qu'il arrive vers. Il y a une caméra là. On s'en fout de la caméra. On la casse? On va la péter. Ouais. Voilà, c'est craqué, hein. Les gogo. Vite, 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 vite. On n'a pas beaucoup de temps. Regardez si vous pouvez prendre les sacs d'or. C'est et tout. Et laissez pas les sacs en plein milieu. Vite, 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 vite. Pas en plein milieu, pas en plein milieu. Ça peut. Faites attention, okay, faites bon, attention. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Arrêtez. C'est bon. Vous avez les sacs? Ouais. Allez, remontez maintenant. On va aller tout remonter. Moi, je vais essayer de remonter. Non, tu reviens vers nous si tu peux. Ah. Attends, parce que moi, j'ai encore un CME. Je vais essayer de le poser. Faut être sûr que quand on ouvre la porte, il n'y a pas un garde derrière. Oh bordel. Non. Go. Placez les CME, des CME, des CME. J'ai déjà placé un CME, moi. Allez, on monte tout, on monte tout, on monte tout. Montez, 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 montez. Viens vers nous et prends un sac et va le placer. Ok, ok, ok. Replacez les CME, replacez les tout, CME. Vous êtes où? Vous êtes où? Vous êtes où? Attends, t'es où? C'est bon, j'ai pris. Oh merde, c'est parti, Rolien, ça va prendre trop de temps. Putain, merde. Fuck. C'est dommage, hein, ça. On a plus de CME? Non, moi j'ai déjà posé mon CME, donc non, effectivement, il y en a plus. Milo, dès que je te le dis, tu poses le tien. Milo? Milo, maintenant, PCM. Maintenant. Voilà, c'est bon. Allez, on y va. Allez, on vas-y, reviens. On se casse après ça. Hein. Ah, c'est dommage, on n'aura pas. Enfin, c'est pas mal déjà. Bah, au moins, on l'a réussi, quoi. Ouais, mais il restait plein de sacs d'or, c'est vraiment con que. C'est pas grave. Déjà, tout ça, vite, c'est. Vite. Et on se met déjà dans le truc. Sprint. Sprint. GG. Parfait. GG, les mecs. Oh bah, oh la vache. Enfin, mais quand même, 3 millions, quoi. Ouais. Ah, c'est la première fois qu'on le réussit hein, en mode stealth. Putain. Oh là là. Oh ah, le compte offshore, quoi. Il y avait 2-3 petits trucs à régler, mais tant pis. Hein. C'est pas grave. En tout cas, GG, les mecs. Hein. On a finalement réussi la mission. Et on a pas mal d'XP aussi. Ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même. Hein. On atteint presque les 400 000 d'XP. C'est, 400 d'XP, c'est pas mal. Ouais, moi j'ai level up. Ah, moi presque. GG. Ouais. Moi j'ai déjà level up, donc. Hop. Ah, oh, j'ai regardé. Non. Non, j'ai loupé un masque. Non. Oh oui, enfin. Chargeur, ah, merde. Enfin, ah si, masque. J'ai eu un masque zombie. Ah, je l'ai déjà aussi. Je l'ai sympa. Ah là là. Bon, bah, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Hein. Et je vous laisse dire le mot de la fin, les mecs. Eh ben, à la prochaine. Regardez, ouais, faire, commentaire, constructif, tout ce qui va avec. Merci. Exactement. De nous avoir regardé. Allez, ciao tout le monde. À plus.